Regrouper ou exclure du milieu de garde les enfants présentant des problèmes de comportement est une pratique encore répandue, malheureusement. Pourtant, l'effet de telles pratiques est le plus souvent désastreux. À la longue, les problèmes de ces enfants isolés ou regroupés avec d'autres pères en difficulté se multiplient, deviennent chroniques et incontrôlables. Faute d'expérience de relation avec des pères adaptés, ces enfants ne peuvent développer des habiletés essentielles à la socialisation. Contrôler la colère, l'impulsivité ou l'agressivité, par exemple. La solution est tout autre. C'est avec un soutien particulier des adultes et par l'interaction avec des pères ne présentant pas de difficultés particulières de socialisation que l'enfant difficile développera les compétences sociales nécessaires à son adaptation. Encore ici, plus ce soutien des adultes est précoce, meilleures sont les chances que l'enfant difficile apprenne à vivre avec les autres avant son entrée à l'école.